Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la pâte à sel pour fabriquer un œuf de Pâques. Pour cela, il vous faudra un saladier, de l'eau, un gobelet pour mesurer les ingrédients, de la farine et pour finir, du sel. Pour commencer ma pâte à sel, je prends mon saladier et je viens y verser un verre de farine. Puis, je reviens verser un deuxième pot de farine. Le deuxième ingrédient que je viens ajouter à ma pâte à sel est le sel. Je verse un verre de sel dans la farine. Pour finir, je viens ajouter mon dernier ingrédient, de l'eau, que je verse sur la farine et sur le sel. Maintenant que tous mes ingrédients sont dans le saladier, je viens avec mes mains mélanger. Quand j'ai fini de mélanger ma pâte, je la sors du saladier et je la pose sur la table. Et je commence à la rouler pour lui donner une forme de boule. Donc je roule, 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 roule. Et pour finir, quand elle a une belle forme de boule, je viens l'aplatir légèrement entre mes mains pour lui donner la forme ovale d'un œuf. Je sculpte la forme avec mes mains pour que ma boule se transforme en œuf. Et voilà le résultat. Une fois que mon œuf est bien sec, je vais pouvoir le peindre. Pour cela, je prends de la peinture, quelques pinceaux et un verre d'eau pour pouvoir rincer mes pinceaux. Je prends un pinceau et je viens choisir une couleur. Pour moi, ce sera le bleu et je vais pouvoir venir commencer à dessiner des motifs. Par exemple, je peux dessiner des rayures sur mon œuf. De quelle couleur est le ciel? Il est bleu. De quelle couleur est le ciel? Bleu, bleu, bleu. Je change de couleur et cette fois-ci, je vais prendre du rouge pour faire des zigzags en haut, en bas. De quelle couleur est la tomate? Elle est rouge. De quelle couleur est la tomate? Rouge, 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 rouge. Je prends un nouveau pinceau, une nouvelle couleur, du jaune cette fois-ci, et je vais pouvoir venir faire des petits pois sur mon œuf. Quelle couleur est le soleil? Il est jaune. De quelle couleur est le soleil? Jaune, jaune. Et pour finir, je vais venir dessiner une petite fleur au milieu. Pour cela, je prends du vert. Pour faire le centre de ma fleur. Puis je vais venir prendre du jaune pour faire les pétales. De quelle couleur est le gazon? Il est vert. De quelle couleur est le gazon? Vert. Et voilà, mon œuf de Pâques est terminé. N'hésitez pas à laisser parler votre imagination pour le décorer selon vos goûts.